médecin en chef passe devant les lits. Numéro 13, qu'est-ce qu'elle a cette petite? C'est la blessée qu'on amena cette nuit. N'ayez pas peur, faut que je sonde vos blessures. Deux coups de couteau près du cœur, y a plus de sang. Non, pas perdu, à votre âge on est dur. Seulement tout de même, faut prévenir vos parents. Mais la mourante alors a répondu: je suis toute seule depuis que maman n'est plus. On m'appelle l'hirondelle du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière d'une petite ouvrière. Comme les autres, j'aurais peut-être bien tourné si mon père, au lieu de m'abandonner, avait su protéger de son aile l'hirondelle. Le docteur reprit: vous portez une médaille, c'est un cadeau sans doute de votre amant. Non, c'est le souvenir de l'homme du rien qui vaille, de l'homme sans cœur qui trompa ma maman. Laissez-moi lire André, Marie-Thérèse, mais je le reconnais, cette médaille en argent. Et cette date, avril 93, laissez-moi seul, je veux guérir cet enfant. Vous me regardez tous avec de grands yeux, c'est mon devoir de soigner les malheureux. On l'appelle l'hirondelle du faubourg, ce n'est qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière d'une petite ouvrière. Comme les autres, elle aurait bien tourné si son père, au lieu de l'abandonner, avait su protéger de son aile l'hirondelle. Numéro 13, toujours 42 fièvres. Oui, ça ne va pas comme je l'avais espéré. Je vois la vie s'échapper de ses lèvres, et rien à faire, rien pour l'en empêcher. Je suis un savant, j'en ai guéri des femmes, mais c'est celle-là que j'aurais voulu sauver. La v'là qui passe, écoute, retiens ton âme, je suis ton père, ma fille bien-aimée. Je ne suis pas fou, je suis un malheureux, vous mes élèves, écoutez, je le veux. On l'appelait l'hirondelle du faubourg, c'était une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière d'une petite ouvrière. Comme les autres, elle aurait bien tourné si lâchement, au lieu de l'abandonner, j'avais su protéger de mon aile l'hirondelle.